Olivier, bonjour. Bonjour Thomas. Nous vous recevons à l'occasion de la parution de votre recueil de nouvelles, Cavale d'un curé de campagne. Alors peut-être pouvez-vous commencer à vous présenter. Je m'appelle Olivier Matonnat, j'ai 34 ans. J'ai la grande chance d'être marié avec Joséphine depuis bientôt 9 ans et nous sommes les parents d'un petit Jean qui a 1 an. Une histoire que j'ai racontée dans un livre qui s'appelle Attendre et espérer aux éditions de l'Emmanuel. Par ailleurs, je travaille à l'IRCOM, qui est une école à Angers, où je travaille en particulier pour les étudiants qui font leur formation en communication. Alors, cet ouvrage qui paraît actuellement, il porte un titre, Cavale d'un curé de campagne. Mais d'où vient donc ce titre et donc, par extension, d'où vient l'idée de ce recueil de nouvelles? Ce titre, bien sûr, c'est un hommage, un clin d'œil au fabuleux journal d'un curé de campagne de Bernanos. Je n'ai pas du tout la prétention d'être Bernanos, mais en tout cas, c'était un petit hommage que je lui rends. L'idée de Cavale un curé de campagne, c'est de raconter des histoires, puisque Cavale un curé de campagne, c'est un recueil de nouvelles, de raconter des histoires pour faire réfléchir le lecteur, pour aussi peut-être le faire voyager par l'imaginaire tout au moins, avec des personnages un peu étonnants. Je pense à quelqu'un qui se prend pour un garde suisse et qui, la nuit, tout seul, va garder d'anciennes frontières d'États pontificaux. Je pense à un homme qui est riche à mourir et qui, son rêve à lui, c'est de posséder tous les arbres qu'il trouve beaux sur Terre et donc qui déplante des arbres, etc., etc. Des personnages un peu étonnants, donc, qui, probablement, j'espère en tout cas, sont l'occasion de quelques réflexions sur la vie spirituelle, sur l'Église, sur la foi, sur voilà, des sujets importants. Un ouvrage que l'on peut retrouver dans toutes les librairies chrétiennes, qui est disponible maintenant. Vous pouvez aller le chercher tout de suite. Merci beaucoup, Olivier.